Donc tout d'abord, pour quelques définitions, on va commencer avec le numérique culturel. On peut définir comme une culture qui a émergé grâce aux technologies numériques, avec ses enjeux et ses caractéristiques propres, et qui relève d'une démarche d'innovation et de création. Donc avec l'œuvre numérique, il n'y a plus assimilation entre l'œuvre, son support et son média. Ce faisant, l'œuvre numérique perd deux caractéristiques de l'œuvre traditionnelle, son unicité, comme c'était le cas dans l'art classique, où l'œuvre était indissociable de son support et de son média, et elle perd aussi sa finitude, puisqu'elle n'est plus figée, mais au contraire rendue souple par l'interactivité. Alors l'œuvre numérique est dite, selon Annick Bureau, ternaire, puisqu'elle comprend trois niveaux, l'œuvre conçue, l'œuvre perceptible et l'œuvre agie ou perçue. L'œuvre conçue, c'est l'idée, le concept, le dispositif, le système qui est défini, structuré et organisé par l'artiste. Donc c'est l'information codée, le programme. Dans un second temps, l'œuvre perceptible, c'est le dispositif particulier dans lequel l'œuvre s'incarne. Et enfin, l'œuvre agie ou perçue, c'est la lecture de l'œuvre perceptible par le public. Ce public, à partir de son action sur l'œuvre perceptible, va appréhender l'œuvre selon le contenu et la complexité de celle-ci, et selon aussi son degré de connaissance, son environnement culturel de départ, selon sa propre sensibilité, et enfin selon le lieu et le contexte de monstration. Le troisième niveau s'applique dans le cas où l'œuvre numérique est interactive. Le spectateur, avec cette dernière étape de l'œuvre perçue, passe du statut de tiers voyant à celui de tiers inclus. Pour ce qui est de la diffusion des arts en hic, la médiation peut favoriser un processus d'acculturation numérique. On peut définir la médiation de la culture comme un ensemble d'opérations d'interprétation, de traduction et d'accompagnement, destinées à assurer le passage d'un processus culturel à destination des publics. La médiation met en jeu quatre éléments. L'auteur du dispositif de médiation, le médiateur, c'est-à-dire celui par lequel advient le dispositif, le destinataire et le motif. Plusieurs typologies de médiateurs peuvent être envisagées. Alex Micheli en propose une. Donc, elle se découpe de la façon suivante. Dans un premier temps, les médiateurs techniques, qui sont les supports de communication, ce sont des médiateurs passifs, car ils ne sont médiateurs que par leur position entre au milieu. Ils permettent la relation sans l'influencer. Ensuite, nous avons les médiateurs socio-naturels, que sont les normes, les valeurs, les représentations. Et enfin, les médiateurs humains, qui permettent le passage d'un état à un autre. Ceux-ci sont des médiateurs actifs, ils sont partie prenante de la relation en cours, ils pèsent sur elle et la modifient. Donc on le voit, ces définitions font appel à tout un tas de notions, pour certaines relativement anciennes. Et évidemment, dès qu'il s'agit de notions, de concepts et d'idées, eh bien, plusieurs écoles élaborent, échafaudent des théories. Et bien évidemment, et c'est tant mieux, ces théories ne sont pas toujours d'accord entre elles. Donc on rentre dans un domaine, celui des arts numériques, dans lequel non pas s'affrontent, mais cohabitent de multiples points de vue sur ces différentes notions. Par exemple, on a bien sûr la question de la dématérialisation. Cette dématérialisation qui a été permise par l'avènement et l'accroissement du numérique. Alors, jusqu'à quel degré doit-elle aller? Est-elle partielle? Est-elle totale? Évidemment, elle est l'un et ou l'autre. Et ça influe sur la statue et la perception des œuvres. Autre grande notion, évidemment, c'est la question de l'interaction ou interactivité versus passivité. Mais alors, de qui s'agit-il? S'agit-il de celle de l'œuvre? S'agit-il du regardant, du spectateur, du médiateur? Donc ça, bon, c'est une notion relativement bien travaillée maintenant. Là, j'ai sorti un petit extrait qu'on peut retrouver sur le site de Daniel Peraya sur la notion d'interactivité pour faire très vite avec deux grandes catégories. Celle qui est dite intentionnelle ou intransitive, c'est-à-dire quelle est la volonté du créateur par rapport à l'action, la non-action, le guidage qu'il peut proposer au regardant. Versus, ou plutôt s'appuyant sur l'interactivité fonctionnelle, c'est-à-dire celle permise virtuellement par le dispositif utilisé. Et dans le premier cas, on sera donc dans une relation de type communication homme-homme, s'appuyant sur une communication de type homme-machine. Il y a donc le passage de la médiation technique. Autre notion, c'est la question du temps. Le temps réel, le temps différé, autrement appelé temps synchrone, temps asynchrone. On a des œuvres, par exemple, qui consistent à prendre une photo du spectateur
pour la montrer ensuite une seconde, une semaine, un mois, un an, 10 ans après. Et la question du lieu, évidemment, puisque la virtualisation permet une sorte d'ubiquité, c'est-à-dire de présence en de multiples points simultanément à distance. Et là, on retrouve en fait tout simplement les grandes caractéristiques du multimédia. Et tout ça nous amène, de façon plus générale, à savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut montrer. Au travers de ça, qu'est-ce qu'on va vouloir démontrer ou communiquer. Et puis également, comment informer, former sur ces questions-là, qui pour en être anciennes, n'en sont pas moins revisitées par la dimension IC, c'est-à-dire numérique informatique. Alors quels sont les enjeux justement de cette acculturation numérique et acculturation prise dans le sens apprendre, intégrer, découvrir, peut-être pas une nouvelle culture, mais en tout cas une culture en émergence qui s'appuie sur les possibilités techniques offertes par le numérique. Donc on se propose de procéder en deux étapes. La première étape, c'est l'implication du spectateur. Alors l'implication du spectateur, c'est bien sûr pas une notion nouvelle, ça se réfère à la question du statut de l'œuvre. L'œuvre peut-elle exister avec ou sans spectateur ? Donc c'est un peu le rôle historiquement du critique d'art qui était de faire le lien, d'expliquer, de montrer, de présenter l'œuvre. On pense bien sûr au tableau de Courbet historiquement, etc. Donc le critique d'art va devenir, on va choisir le terme de médiateur sur lequel on va centrer un petit peu notre introduction parce que ça nous paraît bien indiqué par rapport à la thématique de la journée. Alors quels sont les objectifs ? Bien sûr le lien social tel que l'explique Nicolas Bourriaud. C'est-à-dire être capable de trouver une dimension d'intégration sociale comme rôle de l'œuvre d'art et de sa présentation dans la société. Alors, qui se charge maintenant de ça ? En fait, c'est très difficile, ça a été ma difficulté dans l'organisation de la journée, d'essayer de séparer des rôles qui, finalement, se trouvent maintenant complètement imbriqués les uns dans les autres. Non seulement du point de vue des institutions, de l'institutionnalisation, mais tout autant du point de vue des personnes. C'est-à-dire que les personnes que j'ai invitées à venir discourir aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de savoir si elles sont artistes, productrices, diffuseries, c'est pas beau du tout, excusez-moi, mais vous m'avez compris, informatives, etc., etc. Il a donc fallu que je fasse de façon un petit peu arbitraire des catégorisations. Alors là, que tout ceci nous amène à une réponse à la fracture numérique, si elle existe, parce que c'est une de ces fameuses notions que j'évoquais tout à l'heure, notion choc, notion phare, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? On en reparlera très certainement dans le cours de la journée. Alors pour ce qui est des dispositifs généraux, les pouvoirs publics ne sont pas en reste du processus d'acculturation numérique. En novembre 2003, le gouvernement a décidé de lancer une campagne de communication gouvernementale pour inciter les familles françaises à s'équiper d'un ordinateur. Cette campagne propose au public du matériel informatique à moindre prix, grâce au partenariat établi par l'État avec de nombreuses entreprises privées des télécommunications. Donc on compte en France 3000 dispositifs nationaux et locaux. Depuis novembre 2003, donc le label Net Public vient remplacer celui d'Espace Public Numérique, ou OPN. Ce label regroupe les espaces culture multimédia soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication, les points cyberespace mis en place par le ministère Jeunesse et Sport, tandis que la Caisse des dépôts et consignations, quant à elle, lance les cyberbases. Ces dispositifs nationaux sont complétés par des dispositifs locaux, appelés les espaces publics multimédia, qui tentent de rééquilibrer les impossibilités de recevoir une connexion haut débit. Alors, pour détailler un petit peu tout ça, dans un premier temps, au niveau national, nous avons les ECM, donc Espace Culture Multimédia, qui existent depuis 1998, donc c'est le ministère de la Culture et de la Communication qui les a mis en place et qui soutient donc des lieux d'accès public aux multimédia au sein de structures culturelles et socioculturelles. Dans un second pan, nous avons les cyberbases, donc qui dépendent de la Caisse des dépôts et consignations à travers sa filiale CDC-TIC, qui conseille et accompagne les collectivités dans la mise en place de cyberbases. Donc chaque cyberbase est un projet local. Donc la CDC s'adapte à son savoir-faire aux besoins de chaque communauté.
Ensuite, les points Cibespace Jeunes Numériques, qui sont initiés par le ministère de la Jeunesse et des Sports en 2000. Donc, ce programme comprend aujourd'hui plus de 600 points CIB répartis à travers le territoire. Le programme Point CIB veut améliorer l'accès des jeunes à l'information par l'intermédiaire des nouvelles technologies. Il veut aussi créer des cyberservices de proximité, favoriser l'expression et la citoyenneté et développer les pratiques artistiques et culturelles grâce à l'outil multimédia. Enfin, dans un dernier temps, les PAT ou points d'accès à la téléformation sont eux initiés par le ministère du Travail qui prévoit le développement sur l'ensemble du territoire d'un réseau de proximité de formation tutorée à distance. Donc, au niveau local, le gouvernement a décidé dès novembre 2002, à travers le plan Réseau 2007, de réorienter et de redynamiser la politique de l'accès public à Internet selon deux axes majeurs. Le premier axe étant la décentralisation et la proximité, donc la reconnaissance du rôle central joué par les collectivités territoriales dans cette politique. Et le second axe étant la promotion auprès du public qui se joue dans les lieux d'accès public à Internet. Donc au-delà des services de base et de l'acquisition d'une autonomie dans l'utilisation de l'outil, le gouvernement vise quand même le développement d'usages tels que la recherche d'emploi, l'accès au savoir, à la culture et à la formation. Donc il y a une charte spécifique qui est baptisée Charte Net Public qui a été signée d'un côté par l'État, de l'autre par l'AMF qui est l'Association des maires de France, mais aussi par l'ADF qui est l'Association des départements de France. Elle est destinée à être signée par toutes les collectivités territoriales, communes, agglomérations, communes, départements et régions, qui en acceptent les termes. Alors, ces acteurs culturels, comment vont-ils s'y prendre? On va voir quelques questions un petit peu techniques. Donc d'abord, l'innovation dans la diffusion des arts. Les deux supports principaux qui vont la servir sont, on va commencer par le disque optique numérique, c'est un petit peu plus simple, couplé avec Internet, considéré comme un support virtuel, mais qui en fait s'appuie bien évidemment sur une structure extrêmement technique et matérielle. L'intérêt de cette approche, c'est d'avancer tranquillement vers la question de la désintermédiarisation ou désintermédiation des différents acteurs qu'on a vus précédemment, puisque derrière cette question se profile une autre, beaucoup plus importante, qui est celle de la disparition de ces mêmes acteurs. Donc, qu'on peut catégoriser de la sorte les musées, les galeries, les critiques d'art, les théoriciens. Et bien évidemment, il ne s'agit là que d'une question, je dirais même d'une mauvaise question, voire d'une fausse question, puisqu'il ne s'agit pas de ça du tout, mais bien plus exactement d'une mutation, d'une évolution des pratiques, des métiers, des dispositifs qui doivent s'adapter, en fait, tout simplement, à l'évolution du domaine. Alors, tout simplement, ce n'est pas aussi simple, mais c'est la tendance globale telle qu'elle doit être suivi. Alors, à quoi on aboutit dans cette tendance? Eh bien, ce sont de nouveaux modes de communication et à travers ces nouveaux modes, on espère aussi de commercialisation puisqu'il faut bien évidemment que tout le monde puisse vivre. C'est un petit peu le but et l'objet quand même de son travail et de ses activités. Alors, parmi ces différents modes émergents, on a commencer bien évidemment avec les sites personnels d'artistes, également les sites personnels, les galeries, etc., de toute leur évolution. Sites qui sont devenus progressivement de lieux d'exposition à lieux d'expérimentation, avec notamment cette virtualisation des œuvres qui s'appuie et qui tire parti parfaitement de ces techniques et de ces médias d'on et Internet, allant jusqu'au point de générer une information sur l'information, c'est-à-dire une dématérialisation au carré où on va avoir un déplacement du contenu et du sujet sur l'objet, sur le discours de l'objet. Alors ça, c'est le discours du discours. C'est quelque chose qu'on peut retrouver, qu'on trouvait déjà avec certains arts et médias traditionnels et qui se retranspose donc naturellement sur cette évolution qui est servie tout à fait par des dispositifs plus classiques comme le courrier électronique, les blogs, des wikis et autres iPodding.
et qui amène pour certains à peut-être des dérives ou une déviation du domaine. Ça pourra faire l'objet de nos échanges et c'était d'ailleurs dénoncé dans une table ronde précédemment tenue ici dans le cadre des journées d'études par certains auteurs qui disaient que Internet auto-générait sa propre information, donc en rupture complète avec le monde réel tel qu'on peut le connaître pendant nos journées. Alors, différentes attitudes sont possibles pour les musées, marchands ou galeries dans leur appropriation des technologies. Les expositions virtuelles sur le web sont de plus en plus conçues comme des aides documentaires, intégrant la visite des expositions dans une logique de médiation culturelle. Le marchand d'art tente de transposer le marché sur Internet. Ses tentatives de faire du web un lieu privilégié du marché de l'art ont été nombreuses. Plusieurs projets ambitieux dans le secteur de l'art sur Internet n'ont pu aboutir à cause de la crise financière qui a frappé les valeurs de la nouvelle économie et forcé leurs investisseurs à les délaisser. Le pari des initiateurs de ces entreprises était de faire du web la plateforme quasi incontournable d'un marché qui croît de 10% par an pour un volume global de l'ordre de 15 milliards d'euros. Mais désormais, bon nombre de projets ont disparu. Il est vrai que le marché de l'art est un secteur plutôt hermétique qui dépend d'un peu plus de 1000 grands marchands, lesquels font autorité sur le marché. En fait, de nombreux projets n'ont pas pu voir le jour pour des raisons de stratégie, d'analyse mal interprétée ou d'un manque manifeste de compétences. Pour ce qui est des musées, Nathalie Noël-Cadet en distingue trois liés aux technologies numériques, le musée simulé, le musée virtuel et le musée interactif. Donc pour ce qui est du musée simulé, celui-ci réunit des œuvres de différentes sources sur un réseau ou sur un disque CD-ROM, permettant de réaliser des expositions virtuelles. Donc on peut parler ici de numérisation de la culture, puisqu'il s'agit simplement de retranscrire sur des supports numériques des éléments culturels déjà existants. La démarche est bien ici de maintenir un système en place, de le faire fonctionner pour qu'il perdure, donc de s'adapter sans innover. Les nouvelles technologies, et notamment Internet, ne sont donc là qu'un simple outil de diffusion, voire de pérennisation d'une culture déjà existante. Dans un second temps, nous avons le musée virtuel, qui existe uniquement sur un support en ligne ou sur un disque. Les collections de ce musée intègrent exclusivement des œuvres créées et restituées sur l'ordinateur. Enfin, le musée interactif, lui, désigne l'immersion au sein même du musée des technologies intégrées dans le parcours de l'exposition. L'apparition des audioguides dans les musées constitue un marché culturel émergent. Les PDA visent, eux, à faciliter l'interprétation des objets exposés dans les musées. Ils peuvent permettre d'enrichir l'expérience muséologique des visiteurs. Grâce à des documents en ligne, ils peuvent fournir un contexte pour les objets exposés. Grâce à une orientation informatisée, ils permettent d'intensifier leur interaction avec les objets exposés. Les PDA sont donc adaptés au comportement des visiteurs et semblent bien améliorer leur expérience, son expérience. Alors, pour ce qui est de la conclusion, on peut évoquer la redéfinition du rôle du médiateur humain sur Internet. Donc, Internet fait naître de nouveaux besoins auxquels peuvent répondre des acteurs culturels. La question de la visibilité sur Internet est incontournable. Donc, selon François Coulon, un des rôles du médiateur pourrait être d'effectuer une sorte de présélection, une sorte de tri dans cette offre pléthorique. Un second rôle du médiateur, toujours selon François Coulon, pourrait être celui de créateur d'un halo autour de l'œuvre et surtout de création de pont entre l'œuvre et le public. Donc, le manque de visibilité inhérent à Internet favorise le besoin de recherche de nouveaux publics ou de fidélisation d'un public déjà intéressé. Il faut donc réaliser un travail d'élagage, de segmentation, dans une approche qui gagnerait peut-être à emprunter au marketing culturel certaines de ses stratégies. Donc le médiateur humain retrouve sa fonction de lien entre le public et l'œuvre. Internet renouvelle ce lien en étant lui-même médiateur virtuel et en dématérialisant ce lien sous forme de forum de discussion ou encore de cybervernissage. Donc des propositions inédites sont ainsi faites au public, qui se retrouve par exemple à un cybervernissage dans la possibilité d'entrer en relation avec l'artiste. Donc ainsi se tisse autour d'échanges de pensées, de réflexions et d'interrogations une relation directe entre l'artiste et le spectateur. Et alors il y a quelques métiers en émergence sur le web qui font référence à des métiers déjà existants. Le producteur du web peut bien sûr rappeler le galeriste, le gestionnaire de site peut rappeler le modérateur ou encore l'animateur, ou encore le net surfer fait écho au journaliste.
Ces nouveaux métiers ont pourtant des caractéristiques propres découlant de la particularité du médium sur lequel ils interviennent. Donc, on peut peut-être dire que l'expression de prosélyte délicat correspond bien à cette volonté du médiateur humain, non pas d'influencer et de réduire la diversité culturelle à son propre choix subjectif, mais de proposer des manifestations entrant dans les domaines qui se chargent de recenser. Donc Internet est en constante évolution, et donc impossible de dresser l'exhaustivité des démarches relevant des missions d'un médiateur humain. Mais dans l'attente d'une heureuse prolifération des cybervernissages ou de formes de discussion avec le commissaire de telle exposition ou tel artiste, quelques initiatives existent déjà et relèvent bien de la médiation. L'idée d'avoir repris ce petit schéma réactualisé façon Donuts que nous offrait Abraham Moles en 1967, où il catégorisait déjà le marché de l'art et de sa diffusion avec le créateur, le micro-milieu, qui sont donc les commissaires, les spécialistes, les médias et le macro-milieu, qui est donc la société, le public dans son ensemble, c'était de montrer cette espèce de boucle passant d'un milieu à l'autre et le rôle possible du créateur pour court-circuiter les échanges les plus directs. Donc depuis cette théorisation, en fait, on a une actualisation à prendre en cours qui est liée à l'évolution des supports de diffusion de l'information. Et c'est un petit peu l'ambition que se donne donc cette journée au travers de ces quatre tables rondes, en donnant la parole aux acteurs de la diffusion spécifiquement, c'est-à-dire qu'on a bien choisi de ne pas voir le point de vue du créateur qui, à mon sens, est déjà suffisamment largement diffusé et relayé. Mais je souhaite donc que les tables rondes aujourd'hui s'attachent aux questions des métiers liés après la production pour la faire connaître et pour la diffuser le plus largement.